C'est pour ça que je t'aime. Je sais tes faiblesses. C'est le sac, le côté du lit, ta table de nuit, et puis tes manteaux. Ça, c'est ta faiblesse, hein, tout ça. Mais dans tout ça, on aura récupéré la clé du garage. J'ai limite envie d'aller l'ouvrir tout de suite ou de le fermer, tu vois. En plus, c'est qu'on a une caméra qui filme le garage, donc... mais bon. Ah, tireur de table de nuit. Bon, ça va, maintenant, on grignote plus trop. Mais... Bah oui. Son coin de lit. Bah, il y a des doudous. Des fringues. Des chaussons. Il y a une bouteille d'Ice Tea qui date d'un mois. On est des maniaques, mais ça qui est les poches, c'est un carnage. C'est pour ça que je te dis, te plains pas, t'as une maison propre. Tu voudrais que je sois propre dans mes sacs et sale dans ma maison? Ça, c'est féminin. Elle inverse la situation. J'inverse. Maintenant, c'est pas. Moi qui me fais engueuler, tu sais. J'inverse pas, je demande. En tout cas, on a récupéré des beaux stylos, si regarde. Si je dois mettre toute mon énergie dans le rangement de mes sacs, je peux arrêter de mettre mon énergie dans la maison. Je vois la vie en Vosges. Il est beau, celui-là. Ah, l'autre est... Ah, il a raison. Non, mais le pire, t'as vu la quantité de tickets de caisse? Je fais beaucoup les coups. Mais c'est de l'archéologie, chérie! Regarde, je prends au pif un ticket de caisse. Non, c'est pas un ticket de caisse. Je vais pouvoir savoir qu'est-ce que t'as acheté, à quelle date, quoi, pourquoi, comment, tu vois? C'est ça qui est dingue, qui est le problème. C'est... Regarde, je prends un ticket de caisse. Alors, oh, un bon de 4 euros Leclerc, valable du 18 avril au 24 avril 2022. Bah, il est plus valable. Tu veux que j'en fasse quoi? Te rends compte, toi? Hop, un autre ticket. Regarde. Alors. Mais ça se trouve, il y a une garantie, c'est pour ça que je l'ai gardé. Oui, bah oui, c'est sûr que le jour où tu vas devoir avoir besoin de la garantie, tu vas t'y retrouver. Putain, là, c'était des sacrées courses. Salade de thon, avocat, fromage, café latté. Ah, c'était pour ma pause. Le 19 avril 2022, à midi 25. Et t'as eu des bons d'achat que tu n'as jamais utilisés. Montant 46 centimes parce que t'as utilisé un ticket resto. Tout ça pour ça? Oui. Ils exagèrent aussi, t'as vu la taille du ticket pour une salade? Non, mais celui-là aussi. Hein. Ah oui, c'est papier dans un sac. Non, ils sont pas dans un sac, mes papiers. Intermarché. Alors, qu'est-ce que t'as acheté Intermarché? 18 avril 2023. Ah, on se rapproche un petit peu quand même. Hein. De la purée de tomates, du tomate au coulis... Du riz, des viennoiseries, des pommes de terre en salade. Voilà. Mmh. Aïe. T'es content, t'as retrouvé ton rouge à lèvres préféré? Oui. Et il faut le sortir du bal, je vais le mettre demain. Exactement, Timiel. Non, mais je sais que Laura n'est pas un spécimen. Mais bon, c'est quand même costaud, quoi. Non, on a un poil à peler. Ouais, Laura voulait le jeter des piles dans le bac de tri spécialement, ouais. Bah oui, il faut que je remette dans les sacs, parce que le jour où là, je vais prendre un sac, je vais me rendre compte que, hein, il n'y a plus l'espace fond, il n'y a pas les Vogalen, il n'y a pas Vogalib... Il n'y a pas de tic-tac. Tu ne mets plus ces sacs et tu ne les mettras plus. Mais si, pourquoi je ne les mettrai plus? Parce que tu changes tout le temps. Dès qu'on passe devant un stand de sacs, tu me dis « Mon papa, à l'époque, il achetait toujours un sac au marché à ma maman. » Et hop, un nouveau sac. Mais je les mets. Tu vas les réutiliser, ceux-là? Bah oui. Alors, tu vas le réutiliser, celui-ci, chérie? Ah non, celui-là, non. Je me disais aussi. Tu vas le réutiliser, celui-là, chérie? Bah oui, c'est le sac que j'avais aujourd'hui. Celui-là? Oui. Ah, non. Si. Ton hésitation veut tout dire. Celui-là? Non, je l'aime plus trop. Voilà. Celui-là? Oui, il est beau, lui. Celui-là, tu vas le réutiliser aussi? Bah oui. Ah bon?
Bah oui. Bah écoute, écoute, je vais noter. Je l'avais au mois de juin pour le mariage. Au mois de juin pour le mariage, mon Dieu. Bah oui. Et ça? Bah oui. Et celui-là? Celui-là, le petit, je le prends quand je vais à l'école le matin juste pour. Et celui-là que j'ai payé 149 euros? Eh ben je l'utilise, mais c'est plus l'hiver, les couleurs noires comme ça. Le noir, c'est pas une couleur. Tu vas l'utiliser l'hiver alors? Bah oui. Oh, j'ai hâte de voir ça. Eh ben tu le verras. Et tu le saurais déjà si tu me regardais un peu plus. Oh, et t'arrêtes, oui? Non mais. Le noir à motif? Quel noir à motif? C'est le vert, il est vert en fait. Ah non, je le mets plus. Je l'ai jamais mis, je crois. Hein? Tu m'as déjà vu avec? Une fois. Une fois? Oui. Voilà. Pourtant, je te l'avais acheté parce que ton papa, il a acheté des sacs à ta maman. Non, c'est papa qui me l'a acheté, celui-là. Ah ouais? Excuse-moi, parce que ça fait au moins 6 ou 7 ans que je l'ai. C'était vachement utile de l'acheter, en tout cas. Bah oui. Parce qu'avant, je le prenais. Bah oui, un chaque pour chacune des tenues, ça dépend ce que tu mets. T'es bon? T'as fini? En été, tout ça, bah tu prends pas trop des gros sacs. C'est des petits sacs en bandoulière, des couleurs claires. Et en hiver, tu prends ton gros sac noir. Et le pire, c'est qu'il y a encore une dizaine de sacs comme ça dans le garage. Bah le petit rose là c'est ça, c'est, t'as juste assez pour mettre. Alors le petit rose, t'as juste assez pour mettre. Le téléphone. Une liste de courses. Bah oui. Des prospectus. Bah oui. Des papiers. Des emballages de bonbons. Bah dis donc, tu te fais plaisir. Quoi? Bah oui. Des carambars. Ah bah non. Ah bah si. Bah ça doit être les gosses alors. Oui bah oui, et puis ils l'ont glissé dans ton sac. Bah ils me les donnent et au lieu de les mettre à la poubelle, si j'ai pas de poubelle à côté de moi, je les mets dans mon sac. Non, vous les mecs, vous avez tous une femme qui a un sac à main dans lequel vous pouvez mettre vos affaires quand on sort. Ah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à moi là-dedans. Parce que, non, bah là non, parce que tu les prends après. Mais sinon, quand on sort, tiens chérie, le portefeuille, tiens chérie, c'est uniquement les quand j'ai tiens, des chérie, petites poches. Les clopes, tiens chérie, la carte bancaire, tiens chérie, les trucs. Ouais, on a un sac à dos depuis le collège qu'on utilise encore, grave. Non, 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 c'est pas vrai. Bon, t'as fini, c'est bon? J'ai des fous. Bah, c'est normal, comme t'es assise, tu coupes ton sang, là. Ça fait mal. Sans le live va se terminer, c'est bon. Tu peux repartir, je te libère. Tu me fous dehors de chez non, moi? Non, je rigole. Attends, mais je peux pas me lever, j'ai trop mal. Tu veux que je t'aide? Comme d'hab. Mais non, mais j'ai des fourmis au pied. Oui. Ah, je peux pas marcher. Oh. Ah, 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 je peux pas marcher. Ah. Par contre, tu les rangeras. Hein. Non, mais les sacs, je vais les remettre à leur place, oui. Mais je te vide pas tous les papiers qu'il y a dedans. Hein. Là, on en a pour un sac. Mais mes affaires, là. Bah je les descendrai, tu retrieras. Non mais t'as dit qu'il y a des sacs que tu utiliseras plus de toute façon. Ils vont rester en haut. Saute à cloche-pied. Oh bah non, vaut mieux pas. Wow. Ah mon sac à dos, si on le fait maintenant, il est là. Mon sac à dos de transport que j'ai depuis des années. Là, le noir. Ouais, vas-y. Bah vas-y. 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 Regarde. Première poche, rien. Deuxième poche, rien. Troisième poche. Un truc qu'ils ont acheté Bob Marley au Portugal. Attends, qui... attends. Mais y a rien d'autre. Un truc de Bob Marley. Si, y a des mégots. Alors non. Alors par contre les mégots, je les ai pas notés dans le live. Mais alors le nombre de mégots que t'as dans. Non. Alors au moins tu les jettes pas par terre. Mais le nombre de mégots qu'il y a dans tes sacs, mon Dieu. On peut remplir 3 paquets de 30. Ça c'est toi. Tu m'as filé des médicaments. Oh bah tiens. Bah c'est toi qui m'as filé des médicaments. Tu rigoles? Des serviettes hygiéniques, chérie. C'est tu vrai sais, que moi je vais m'en servir. Tu sais c'est quoi? C'est les médicaments que Léo il a pris avec à Paris, puisqu'on a marqué son nom et son prénom pour dire à la maîtresse. Oh bah tiens, pour l'objectif de ton appareil photo. Bon,
ça va. Ça, et tout le reste c'est Ghostanus. C'est les, bah, les baguettes de sourcier. Et puis le machin. C'est que ce que je me sers. Moi je vide tout à chaque fois. Je vide tout. Mais c'est pas mon bordel, c'est les enfants. C'est les médicaments de Léo pour ses allergies quand il était parti à Paris. Et les 27 serviettes hygiéniques dans mon sac. C'est pour Léo aussi. Et un paquet rempli. Donc et la prochaine fois que t'en as besoin, tu sais qu'il y en a là. Ben je sais qu'il y en a là. Mais quoi? Tu le savais? Mais oui. Mais pourquoi elles sont là? Et ben quand on prend le sac et qu'on va quelque part, si jamais j'en ai besoin. Ouais, une fois par an, au Portugal, ou quand je vais en enquête, on sait jamais. Vachis, ouais, pareil. Vachis. Ouais, blablabla. Bla, bla.